soul. I live for you alone. Que la grâce de Dieu permet à ce que l'objectif de ce jeûne, de ces trois jours de jeûne dans nos vies soit atteint. Nous jeûnons aussi pour consacrer notre moi de mars, afin que ce mois-là soit riche en présence de Dieu, qu'il soit riche en connexion divine, qu'il soit riche vraiment en expérimentation du Saint-Esprit, mais qu'il soit aussi riche d'exaucement, de bénédiction et de grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc après l'enseignement, nous allons prier pour notre mois. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous continuons sur notre dernier jour. Si la foi seule ne suffit pas, alléluia. Et nous l'avons conclu ce titre parce que la parole de Dieu nous dit en 2 Pierre 1 au verset 5: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et la piété l'amour fraternel, et l'amour fraternel la charité. Et il continue à dire: car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses péchés, de ses anciens péchés. Alléluia. Amen. Nous avons compris que la foi dans la marche chrétienne n'est pas suffisante. Parce que tout le monde croit en Dieu. Et je le dis à plusieurs reprises, même les démons y croient. Le fait de croire en Dieu est une chose extraordinaire. C'est la base de toute chose. C'est l'entrée, c'est le centre de toute chose. C'est le centre même de notre existence, notre marche chrétienne. Mais cela n'est pas suffisant et ne peut pas nous permettre d'avoir une marche chrétienne comme Dieu l'attend si nous n'y ajoutons pas ces sept compléments dont nous a parlé de Pierre 1 à partir du verset 5. Alléluia. Ça nous permet d'avoir une foi parfaite. Nous avons compris que ceux qui n'ajoutent pas ces sept compléments de foi deviennent religieux. Et nous avons énormément de religieux dans la maison de Dieu que de personnes concrètement transformées à l'image de Christ. Parce que leur foi n'a pas associé ces sept compléments. Alléluia. Ils ont cru que le fait de croire en Dieu et surtout de croire en tous les miracles que Dieu peut faire était suffisant pour eux d'être désigné comme enfant de Dieu, ou d'être agréable à Dieu, ou de pouvoir participer à la nature divine. Non. Il faut ajouter ces sept compléments qui, lorsqu'on regarde dans les détails, représentent beaucoup plus la manifestation du fruit de l'Esprit en nous. Alléluia. Amen. Le fruit de l'Esprit vient nous parfaire pour Dieu. Le fruit de l'Esprit vient nous rendre meilleur pour Dieu, vient rendre notre foi plus authentique, et cette foi-là va nous transformer beaucoup plus à l'image de Dieu que de devenir des personnes religieuses. Et la foi sans ces sept compléments va créer ce qu'on appelle des religieux, des personnes touchées par l'esprit du pharisianisme. Le fait seulement de faire beaucoup de choses sans que notre vie soit transformée pour ces choses-là. Alléluia. Et nous avons compris que sans ces compléments-là, nous pouvons avoir une vie chrétienne sans stérile, plutôt stérile. Alléluia. Ce qui ne va pas produire du fruit. Une vie chrétienne oisive qui ne va pas être utile à Dieu, et une vie chrétienne dont il n'y a pas de discernement, parce qu'on va comprendre les choses non pas comme il faut les comprendre, pas avec le cœur de Dieu, pas avec le regard de Dieu, mais avec un regard charnel ou un regard du monde. Alléluia. Il faut compléter ces sept éléments. C'est bien que tu crois, comme la Bible nous dit en Jacques. Oui, c'est bien que tu crois. Les démons aussi croient. Mais, et ils craignent Dieu. Les démons craignent Dieu plus que toi. Les démons croient plus à Dieu que toi parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu avant. Ils ont vu Dieu. Alléluia. Ce qui fait la différence dans ta foi, c'est à quoi, qu'est-ce que tu as souci. Et ces sept éléments sont très importants. Elles viennent compléter notre foi. Le chiffre 7 pour la perfection, elles viennent parfaire notre foi. Et il est très important. Les véritables chrétiens, même s'ils n'ont pas lu ce message-là, s'ils n'ont pas lu ce passage, naturellement développent ces sept compléments. Naturellement, ces sept compléments commencent à se développer et s'associent naturellement à leur foi. Alléluia. Nous avons commencé avec la vertu. Il a demandé, la parole de Dieu nous demande d'ajouter à la foi notre vertu, la vertu. Nous comprenons que la vertu, ce sont
les valeurs chrétiennes, des valeurs, des bonnes valeurs. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir des très bonnes valeurs et surtout des valeurs chrétiennes. Il parle d'une vie honnête. Il y a dans les valeurs, alléluia, un enfant de Dieu qui se soucie constamment de ne pas être malhonnête, c'est un enfant de Dieu qui associe à sa foi une bonne vertu. Alléluia. Et dans l'honnêteté, et que cela, c'est son souci. Il ne regarde pas beaucoup plus à ce qu'il veut. Il regarde beaucoup plus à ce qu'il, à la manière dont il fait pour avoir telle chose. Alléluia. C'est une vertu d'être honnête. C'est une vertu d'être sérieux. C'est une vertu d'avoir une bonne conduite. C'est une vertu d'avoir un bon caractère. Et ça, ce sont les vertus qui sont associées à l'enfant de Dieu, d'avoir une bonne morale. Alléluia. D'avoir une bonne morale. Et j'avais donné beaucoup de vertus hier. On va pas revenir. La générosité, d'être généreux envers les gens, d'être bon, d'être rempli de douceur, c'est une vertu chrétienne. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. C'est une vertu chrétienne. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, si tu crois en Dieu et que tu as accepté Jésus et que dans ton caractère, il n'y a pas la douceur, il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas la loyauté, il n'y a pas l'honnêteté, alors tu as peur d'avoir une vie chrétienne qui ne va pas t'amener dans là où Dieu te veut. Tu vas être comme ce fugueux avec des feuillages. On va dire oui, il est chrétien. Mais quand le Seigneur va venir vers toi pour essayer de cueillir un fruit, il n'aura rien. Et c'est comme cela que beaucoup se retrouvent maudits à jamais. Alléluia. Donc, on a parlé des vertus, j'ai parlé de la science. La science, c'est la connaissance. Mais la science de quoi? La science, c'est la bonne connaissance selon Dieu. Connaître Dieu selon que Dieu voit. Aujourd'hui, les gens disent, j'étais encore en train de réfléchir à ça récemment, que le monde a été créé par un Big Bang, par une explosion. Et d'autres qui ont trouvé ça un peu trop gros ont plutôt dit les hommes sont venus des singes qui ont évolué. Ça, c'est leur connaissance à eux. Mais ce n'est pas la connaissance que nous connaissons de Dieu. Alléluia. Quand nous regardons la perfection de l'homme, et comment l'homme fonctionne, et tout ce mécanisme qui fonctionne à l'homme, en l'homme, nous croyons qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de le faire. Et nous croyons que Dieu existe. Donc, nous devons comprendre qu'il ne suffit pas seulement de croire. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher à le connaître. Il faut chercher à comprendre sa pensée. Il faut chercher à connaître sa volonté. Il faut chercher à capter ce qu'il veut pour toi, ce qu'il veut pour les autres, ce qu'il veut pour chaque chose dans ta vie. Il faut chercher à comprendre ce qu'il veut pour le monde. Alléluia. Il ne suffit pas de croire, mais il faut développer sa connaissance. Il faut développer sa sagesse. Alléluia. C'est très important. Donc, ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, je pense qu'on ne l'a pas vu hier, c'est la tempérance. Nous savons que la tempérance fait partie du fruit de l'esprit aussi. Il a demandé d'ajouter à notre connaissance, parce que nous savons que lorsqu'on connaît, on peut devenir orgueilleux. Lorsqu'on connaît, on peut se sentir important. Mais il a dit d'ajouter à ta connaissance, à ta science, la tempérance. Alléluia. Tous les éléments ne sont pas ajoutés à la foi. Chacun a ajouté à l'autre. Alléluia. Amen. La science, elle est ajoutée à la vertu. C'est bien que tu aies un bon comportement, mais apprends aussi à connaître la volonté de Dieu, que ton comportement soit plus parfait, soit correct. Parce que tu peux penser faire du bien quelque part, mais te tromper si tu n'as pas la connaissance des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi que de la connaissance aussi, oui. Si tu as la connaissance, tu risques de te prendre la grosse tête, tu risques de te sentir supérieur. Alors ajoute à ta connaissance la tempérance. Alléluia. Ajoute à ta connaissance la tempérance. La tempérance, on le qualifie ici dans d'autres versets de second verset, la maîtrise de soi. On le dit plutôt dans la maîtrise de soi. Amen. Amen. Dans la maîtrise de soi. Soyez maître de vous-même. Alléluia. Dans la tempérance. Amen. Il est important que nous ajoutions à cela notre foi. Quand on parle de tempérance, on parle déjà de la maîtrise de soi. Maîtrise de quoi premièrement? Quand on entend maîtrise de soi, ça commence d'abord par la maîtrise de nos envies. Alléluia. Ça commence d'abord par la maîtrise de nos envies. Amen. Nous savons que le monde vit selon tous ses envies. Nous savons que beaucoup de chrétiens qui disent croire en Dieu laissent libre cours à leurs envies. Mais nous savons que nous devons pouvoir prendre le contrôle sur nos envies. Que ce soit les envies charnelles, que ce soit les envies émotionnelles, que ce soit sur nos émotions, nous devons avoir le contrôle là-dessus. Parce que celui qui se laisse conduire aussi par toutes ses émotions va avoir du mal à avoir la foi qu'il faut et la marche qui convient à Dieu. Alléluia. Donc, c'est par rapport aussi à nos envies, par rapport aussi à nos
nos émotions. Nous devons pouvoir nous maîtriser. Nous devons pouvoir prendre le contrôle de tout. Alléluia. Nous devons pouvoir nous maîtriser par rapport à cela. Bien sûr, avec la force du Saint-Esprit. Mais il faut d'abord le vouloir. Il faut d'abord le savoir. Alléluia. Quand tu le sais, tu ne le laisses pas, tu n'agis pas du tic au tac. Tu ne te laisses pas emporter comme ça. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens deviennent charnels ou sont charnels. Parce que leur envie prend le contrôle. Parce qu'ils n'ont pas su jusqu'à aujourd'hui savoir se maîtriser. Ils n'ont pas su aujourd'hui prendre le contrôle de tout ce qui remonte en eux. Ils n'ont pas su prendre le contrôle de tout ce que le diable souffle dans leurs oreilles. Ils ont toujours été poussés à vouloir faire. Alléluia. Amen. Nous comprenons que le fait de croire en Dieu n'est pas suffisant pour pouvoir se maîtriser. Alléluia. Parce que beaucoup croient en Dieu, mais ils sont loin de lui, et plusieurs iront en enfer. Parce que quand la Bible parle des vierges fortes, des vierges sages, ce n'est pas ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est ceux qui croient en Dieu. Alléluia. Amen. Dans la tempérance, savoir temporiser, c'est aussi prendre le contrôle sur ses paroles. Ces paroles. Tu as envie de parler, tu as envie de dire, tu as envie. Mais est-ce que tu as le contrôle des débits? La Bible dit que de tenir sa langue en bride. Quand on dit en bride, c'est dit de retenir ta langue pour qu'elle ne parle pas n'importe comment. C'est aussi retenir ses pulsions ou ses impulsions. Prends le contrôle sur ses impulsions ou ses pulsions. Se laisser guider par le Saint-Esprit et non pas par la chair. Même si nous croyons en Dieu, nous devons savoir nous maîtriser en toutes choses. Ensuite, il y a d'ajouter à la patience, non, à la tempérance plutôt, la patience. Nous devons ajouter à la tempérance la patience. Et nous savons que le Dieu que nous servons est un Dieu patient. Nous savons que l'impatience nous oriente hors de la volonté de Dieu. Nous savons que ceux qui sont impatients ne peuvent pas ont du mal à entendre Dieu. Nous savons que ceux qui sont impatients ne voient pas la manifestation glorieuse de Dieu dans leur vie. Ils ratent énormément de choses. Ou ils gâchent énormément de choses. On a vu comment Saül a perdu l'onction que Dieu avait mis sur lui en tant que roi juste à cause d'une impatience. Mais Saül croyait en Dieu. Saül avait été choisi par Dieu. Saül était de Dieu. Mais il a été juste disqualifié à cause de l'impatience. Ce qui a permis à Moïse de rentrer dans le privilège de Dieu. Parce que la majorité d'entre eux n'ont pas eu cette intimité que Moïse avait avec Dieu. Mais la Bible nous dit en Nombre 12, 3, or Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Fort patient. Alléluia. Donc, tu crois en Dieu, ajoute à ta croyance, à ta foi, la patience. Ajoute à la maîtrise de toi, la patience. Alléluia. Ecclésiaste 7 lui dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Nous devons comprendre qu'il est important pour nous d'être patient. Qu'il est important pour nous de savoir attendre le temps de Dieu. Qu'il est important pour nous de ne se précipiter à rien. Si nous voulons avoir une foi correcte, une foi convenable. Vous savez pourquoi d'autres pères finissent par ne plus croire que Dieu peut. D'autres finissent par ne plus croire que Dieu est capable. Dieu finit par ne plus croire, abandonner le chemin du salut en chemin, en route. C'est à cause de l'impatience. Parce qu'ils ont attendu, mais ce n'est pas encore fait. Et ils finissent par lâcher. On ne peut pas parler de foi sans patience. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de foi sans patience. Parce que à quel moment Dieu voit que ta foi se manifeste, c'est dans la patience. Alléluia. À quel moment Dieu peut dire, lui là, il a foi. C'est quand tu sais attendre le temps de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est impatient, soit gâche les grâces de Dieu, soit souffre énormément avant l'exaucement de Dieu, soit annule le temps de Dieu, se décourage en route. Encore nous savons que l'essence même de la foi, c'est de croire encore, malgré qu'il n'y a pas, malgré que ça n'arrive pas. Alléluia. Donc il est important pour nous d'ajouter
à notre connaissance, à plutôt à la maîtrise de soi, à la tempérance, qui est ajoutée ainsi de suite jusqu'à la foi, qu'on y ajoute la patience. Ensuite, nous avons la piété, qui est ajoutée à la patience. Alléluia. La piété, en français saint, elle exprime la volonté de quelqu'un qui veut être droit devant Dieu, qui est droit devant Dieu. Elle exprime la volonté de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quand il est assez pieux, ça veut dire qu'il respecte sans faillir ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit qui régit sa vie et rien d'autre. Mais il y a des gens qui croient en Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit qui régit leur vie. Ce n'est pas ce que Dieu a dit qui conduit leur vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui mène leur vie. Alléluia. Quand on dit quelqu'un est Dieu, c'est quelqu'un qui ne faillit pas, qui veille à ne pas sortir de ce que la parole dit et de ce que Dieu dit, qui veille à ne pas sortir de la volonté de Dieu, qui a à cœur d'appliquer tout ce que la parole de Dieu dit. Et on dit cette personne-là est pieux. Le synonyme de pieux, c'est l'intégrité. Elle est intègre. C'est-à-dire, peu importe ce qu'elle arrive, elle veille à rester là où elle doit rester. Mais combien de chrétiens pieux qu'on en sommes-nous aujourd'hui? Des fois même, il y a des personnes qui sont même dans certaines religions qui ont plus de piété que les enfants de Dieu. Qui ont plus de piété que les enfants de Dieu. Alléluia. Donc il est important que au fait que nous croyons à Dieu, nous veillons à être dans la piété. Nous devons marcher tous les jours comme en plein jour, que ce soit devant ou derrière les gens. Il faut que nous marchions correctement. Nous ne devons pas tenir compte des regards des gens pour notre marche. Le pieux tient compte du regard de Dieu pour tout, pour ses paroles, pour ses décisions. Tous ceux qui sortent des fois de la piété, ce sont des personnes qui regardent à ce qu'ils veulent et non pas à comment ils font pour l'obtenir. Et un enfant de Dieu, même si tu le changes de pays ou d'endroit, tout de suite sa piété est dégagée. On sent tout de suite, même les gens en sa présence ont envie d'être pieux. Alléluia. Donc la foi seule ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de croire en Dieu pour dire que tout est fini, tout est possible, tout est bon. Il faut que tu sois aussi pieux. Alléluia. Amen. Job 4, Job pouvait le dire. Job était un homme pieux. Il disait en Job 4, 6, « Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ?» C'est l'un de ses amis qui lui disait ça. Alléluia. Et Dieu choisit les hommes pieux. Dieu fonctionne avec les hommes pieux. Dieu aime les personnes pieuses. Il fait grâce aux personnes pieuses. La piété, elle est importante. Elle est en voie de disparition dans l'église d'aujourd'hui. Parce que on est beaucoup plus penché sur paraître que d'être vraiment. Alléluia. On paraît beaucoup plus que d'être vraiment chrétien. Un pieux se soucie de son intérieur et non pas de son extérieur. Il veut que l'intérieur est en conformité avec ce que Dieu pense et que Dieu dit. Et il est très important pour nous, en plus de croire, d'ajouter la piété. C'est pour cela que, en Jacques, la parole de Dieu dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi au travers de mes œuvres. Alléluia. Pour nous faire comprendre que c'est bien de croire, mais où sont les conséquences de ta foi? Et la piété fait partie des conséquences du fait que nous croyons. Parce que si nous croyons, cela modifie notre vie, cela modifie notre existence, cela modifie notre manière d'être, de vivre et nos choix, nos paroles, nos regards, nos pensées. Alléluia. Et à la piété, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont dans la piété. Et qui sont des personnes correctes,
bien devant Dieu, qui ne faillissent en rien. En rien. Même si son premier exprès sur une image de nudité, sans faire exprès, ils vont demander pardon à Dieu jusqu'à pendant des jours. Tellement ils vont être corrects. Mais le problème, c'est que beaucoup n'ajoutent pas à leur piété l'amour fraternel. Alléluia. Aimer son prochain. Aimer l'autre. Dieu tient à ce que même si on est pur en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on puisse aimer les autres. C'est le deuxième plus commandement, grand commandement. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de personnes très obéissantes à Dieu, marchant droitement. Des femmes qui s'habillent avec de manière très pudique, respectant la parole de Dieu, mais pas d'amour dans leur cœur envers les autres. Pas de compassion, pas d'empathie envers les autres. Pas sensible par rapport aux autres. Se souciant pas des autres. Le Seigneur te dit, à ta piété, faut rajouter l'amour fraternel. Romains 12, 10 nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Prévenance, c'est lorsque tu anticipes le besoin de l'autre. Lorsque tu anticipes le besoin de l'autre, lorsque tu veilles à ce que l'autre soit bien. Et ça, c'est le fruit de l'esprit. On appelle ça la bienveillance. On appelle ça la bienveillance. Soyez bienveillants. Avoir l'amour fraternel. Se soucier de l'autre. La Bible nous dit en Hébreux 13, 1, persévérer dans l'amour fraternel. Il y a beaucoup qui n'ont pas le temps de se soucier des autres. Il y a beaucoup qui n'ont pas le temps de penser aux besoins de l'autre. Ils pensent beaucoup plus à ce qu'eux veulent. Et le Seigneur dit que même si tu crois en moi, ta foi ne peut pas être parfaite si tu penses qu'à toi. 1 Pierre 3, 8 nous dit. 1 Pierre 3 au verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Pleins d'amour fraternel. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'amour fraternel est pas excellent. C'est bien d'aimer son prochain. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que la Bible dit le fait d'aimer le prochain est bien. Mais il faut ajouter la charité. La charité, c'est les actions maintenant que tu poses envers le prochain. Les actes que tu poses envers le prochain pour lui montrer, pour l'aider, pour le soutenir, pour être avec lui. Comme ce bon samaritain qui a aidé le monsieur qui a été frappé par le brigand. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment en parole, aiment vraiment les gens, mais ne font jamais rien de plus. La charité, c'est l'amour en action. C'est l'amour manifesté, mais en action. Alléluia. C'est la manifestation de l'amour en action. C'est bon d'aimer les gens, mais il faut ajouter à cela la charité. Jésus a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, ainsi de suite, pour nous faire comprendre que c'est très important pour le Seigneur qu'on pose, qu'on manifeste notre amour par des actes. Par des actes de générosité, par des actes de soutien, par des actes de protection, par des actes, vraiment par des actes. Des actes de visite, des actes d'aide. Alléluia. Mais nous sommes dans une époque où les chrétiens pensent tellement à eux-mêmes, où on les enseigne pour leur percée, pour leur miraculeux, où ils sont concentrés sur leur élévation. Mais on leur enseigne très peu l'investissement, le don de soi pour l'autre. On leur enseigne très peu la charité. Les leaders veulent beaucoup pour construire des grandes églises. Les leaders veulent beaucoup pour avoir des empires, pour s'habiller super cher et claquant. Mais peu d'entre eux se lèvent vraiment pour aller aider les gens dans le besoin. Et quand c'est le cas, il faut le filmer pour qu'on sache qu'ils sont. Ça rentre dans une stratégie de communication pour grandir encore davantage l'Église. Alléluia. Il faut que nous prouvons notre amour à notre prochain. C'est bien d'avoir la foi, mais il faut manifester la charité aussi, complétant notre foi. Tous ces 7 compléments qu'on vient de finir, parfait notre foi. Permet à ce que notre foi soit authentique, que notre foi soit utile, que notre foi nous permette de ne point être oisif, que notre foi nous permette de ne point être stérile,
que notre foi nous permette de ne point être aveugle. C'est ce que la parole de Dieu dit, si ces choses-là sont en abondance en nous, nous ne serons pas oisifs, nous ne serons pas stériles et nous ne serons pas aveugles. Alléluia. Alors notre foi aura de l'impact sur nos vies. J'ai cette image-là du Seigneur qui avait envoyé tout le monde, a envoyé ses serviteurs aller chercher tous les gens dans la rue. Et venait au noce de l'agneau. Et quand je baladais, il a vu quelqu'un qui n'était pas en vêtement de noce. Mais cette personne a été conviée. Alléluia. Elle faisait partie des convives. Nous devons comprendre qu'il est très important pour nous de rechercher un peu plus ou un peu au-delà de ce que le monde recherche. Nous avons dans la Bible énormément de choses qui nous demandent de nous détacher du monde, de ne pas chercher les choses du monde. Mais beaucoup les veulent. Plusieurs prient pour ça. Peu recherchent les choses d'en haut. Alléluia. Donc il est très important pour nous de chercher cette foi authentique que Dieu veut dans le cœur des enfants. Cette foi authentique qui leur permet d'avoir des bonnes vertus et d'être dans la piété et de pouvoir aimer son prochain et de manifester cet amour-là réellement. Alléluia. On va prier. Alléluia. On va commencer à dire merci à Dieu pour ce message. Disons merci à Dieu pour ce message. Disons-le merci. Qu'il nous permet de le capter en nous, de prendre, le recevoir. Comment lâcher. Plus d'intimité au nom de Jésus.
sois plus proche de toi que jamais, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier aussi que pendant ce mois de mars, que Dieu nous donne la force surnaturelle pour dominer sur toutes nos faiblesses. Dans le nom de Jésus. Cette force surnaturelle pendant ce mois de mars, papa, je ne serai pas faible. Parce que tu me donnes la force d'être au-dessus de mes faiblesses. Dans le nom de Jésus. Pendant tout le mois de mars, je résisterai là où j'étais faible. Je réussirai là où j'échouais. Au nom de Jésus. Je pourrai me contenir. Je pourrai me retenir. Je serai au-dessus de tout. Oh, tu nous donnes cette capacité. Pour le mois de mars, tu nous permettras de résister contre le péché. De résister contre la tentation. De pouvoir, oh, être fort là où nous sommes faibles. Dans le nom de Jésus. Oh, je prie ainsi, Dieu de grâce. Que cela soit mon partage. Dans le mois de mars. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour plus de sagesse dans le mois de mars. Plus de sagesse dans le mois de mars. Prions pour plus de sagesse. Oh, Dieu de grâce. Tu m'accordes plus de sagesse dans le mois de mars. Oh, Dieu de grâce. Oh, plus d'intelligence. Plus de science. Dans le mois de mars, papa. Tu me donnes la sagesse dans ma vie, au personnel, la sagesse dans mon couple, la sagesse dans ma famille, la sagesse dans l'éducation de mes enfants, la sagesse dans mes entreprises, la sagesse dans mon ministère, la sagesse à tous les niveaux de ma relation avec toi. Plus de sagesse au nom de Jésus, plus de sagesse au nom de Jésus. Pendant ce mois de mars, tu me donnes encore plus de sagesse pour discerner les choses, les ordres pour discerner. Plus de sagesse dans mes paroles, plus de sagesse dans mes regards, plus de sagesse dans mes oreilles, au nom de Jésus, étends ta main de grâce, ô Dieu de grâce, que cela soit le cas, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour une bénédiction financière à tous les nouveaux, une prospérité à tous les nouveaux pour le mois de mars. Nous allons prier pour cela à tous les niveaux, prospère à tout égard. Tu bénis ma famille, tu entreprises, tu bénis toutes choses dans ma vie, tu bénis tout ce qui ma main touche, tu bénis ma vie, oh, pendant tout ce mois de mars, papa, ta grâce est de voir sur moi, ta grâce est de voir sur mes affaires, ta grâce est de voir dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme un chemin de soco, oh Dieu de grâce, ta bénédiction est mon partage, pendant le mois de mars, tu m'accordes ta grâce, tu m'accordes ta grâce, tu m'accordes. Tu me permets de prospérer à tout égard, comme l'état de mon âme, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes dans le mois de mars, au nom précieux de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons prier pour la protection divine sur nos vies et sur la vie de toute notre famille pendant le mois de mars, que nous soyons cachés tous dans le sang de l'agneau. Prions pour cela, car oh, ta protection divine pendant le mois de mars. Merci pour le sang de Jésus sur ma vie. Merci pour le sang de Jésus sur la vie de mon épouse, sur la vie de mes enfants, mes filles, sur ma maison, sur la vie de ma mère, de mes enfants, de mes petits frères, mes frères, sur la vie de l'église. Que il y a le sang de l'agneau, la protection divine soit notre partage. Que tout ta force contre nos vies soit nous le sang de paix. Oh, tout ta force contre nos vies. Sans effet, tu nous protèges divinement pendant ce mois de marche. Tu nous gardes dans le creux de ta main. Rien ne pourra nous atteindre, rien ne pourra nous toucher. Dans le nom précieux de Jésus, nous le déclarons maintenant. Nous le déclarons maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes protégés, nous sommes protégés, nous sommes gardés. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour le dernier sujet. On va demander au Seigneur, suis-moi. Pendant le mois de mars, au-delà de ce que je peux penser, imaginer, que ta grâce m'exauce. Oh, prions pour cela dans le nom de Jésus. Oh, Dieu de grâce, je sais que tu as des choses extraordinaires. Oh, dans ta manche pour moi, que pendant ce mois de mars, tu me surprennes. Que ta grâce me permette de voir au-delà de ce que je n'ai jamais pensé ou imaginé de ma vie. Et que tu étends ta main de puissance afin de me bénir d'une manière extraordinaire. De grâce, que cela soit fait par ta grâce infinie, par ta grâce infinie, par ta grâce infinie, par ta grâce infinie, dans le nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Merci parce que la grâce de Dieu demeure sur nos vies, sur la vie de nos familles au nom de Jésus, sur nos affaires, sur notre relation avec lui. Il nous garde au nom de Jésus, il nous bénit. Il nous protège divinement. Il nous supprime extraordinairement dans le nom précieux de Jésus. Il bénit les membres de cette église. Il bénit les membres de cette assemblée. Sa faveur demeure sur cette assemblée. Et que nous serons visités de manière extraordinaire. Sa gloire explosera au milieu de nous dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. My soul.